vous, c'est un problème? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'y pense pas, absolument pas. Je trouve que c'est le juste déroulement et normal de la vie. Qu'est-ce que c'est que vieillir, exactement? C'est beaucoup de choses à la fois. Quand j'ai vu arriver ce blanc, avec la différence avec le noir de mes cheveux qui étaient teints, j'ai trouvé ça splendide. Maintenant, le cadeau de la vieillesse, c'est la liberté. Parce que généralement, quand on parle de vieillesse, on ne parle que de perte. Il n'y a pas que des pertes. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. Bienvenue sur Des histoires d'hier pour demain. Vous écoutez le premier podcast du Républicain de l'Essonne. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le journal papier, qui sort tous les jeudis et qui traite depuis plus de 70 ans de l'actualité dans le département. D'autres vont le découvrir à travers ce nouveau format, dans lequel vous serez accompagné par deux voix, Mélina et je suis Aurélie. Ensemble, on vous emmène dans les villes et les villages de l'Essonne pour partir à la rencontre de celles et ceux que l'on appelle nos aînés, nos anciens, nos seniors. Celles et ceux qui ont envie de se replonger dans leurs souvenirs et de les partager avec vous. Nos invités ont carte blanche pour parler des instants marquants de leur vie. Notre but ici est d'encourager la société à changer de regard sur le vieillissement et à prendre soin de nos anciens. Avant de démarrer, je vais vous demander à tous comment vous vous sentez, là maintenant, dans cet instant à 14h30. Comment vous sentez-vous? Oh. Très bien. Et vous, madame, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, là, maintenant? Bien. Ça va. Didier, comment? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Un beau sourire, donc ouais. Ça va. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va. Bon, Pierrette. Ah oui, ça va. Oui. Avec le soleil. Avec le soleil et l'envie et le courage. Ah oui. Oui. Comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va. Bienvenue dans l'épisode 2 des histoires d'hier pour demain, un podcast imaginé par le Républicain de l'Essonne. Après avoir tendu une première fois notre micro à Claire, qui nous a raconté l'adoption de son fils au Vietnam, nous sommes allés à Cerny, à la rencontre d'un groupe de résidents de la maison de retraite de Gommiers. Ils participent ensemble à un atelier chant, animé par l'art thérapeute Isabelle Latapie. Elle est venue avec Damien, son compagnon musicien. J'ai été accueillie donc sur l'établissement de Cerny, ici l'établissement de Gommiers, sur 4 séances en art-thérapie, médiation, écriture de chansons. Donc les 3 premières séances étaient prévues à partir des témoignages de vie des résidents qui avaient choisi de venir assister à ces ateliers, sachant que le groupe était fermé, en ce sens que ce sont toujours les mêmes résidents qui assistent aux séances puisque c'est un travail thérapeutique, c'est du développement personnel. Mais à leurs âges, on ne va pas imaginer aller dans une thérapie profonde. On est là juste pour aller sur un objectif de mieux-être, en fait. Voilà. Donc, 3 séances d'écriture. Première séance, donc, recueil des témoignages de vie. Chacun s'exprime. Ils choisissent le thème de la chanson. Et puis, la dernière séance, celle à laquelle vous avez assisté aujourd'hui, était la mise en musique de la chanson. Ils avaient choisi comme instrument l'accordéon. Comme l'a dit Isabelle, on a eu l'occasion d'assister à la 4e et dernière séance qui s'est déroulée avant les vacances d'été. L'atelier a rassemblé une dizaine de chanteurs amateurs qui ont entre 68 et 95 ans. Ils ont créé un titre qu'ils ont décidé d'appeler... Je prends sur moi, maintenant je m'en sors, je tourne une page.
L'intérêt de l'art thérapie, c'est qu'il y a une partie après le processus créatif qui vise à les faire verbaliser sur leur ressenti. Et ça, c'est ce qui fait la partie de la relation d'aide. C'est-à-dire que pour différencier d'une simple animation où on vient chanter dans le cas d'une chorale, l'art thérapie va leur permettre d'aller ressentir justement ce qui, l'émotion qui a pu être sensibilisée pendant le temps du processus créatif. S'installer dans une maison de retraite, c'est pas toujours chose facile. Cela entraîne pour la grande majorité un véritable choc émotionnel, comme en témoignent Pierrette et Didier. C'est vraiment un combat parce que on n'est plus chez nous. On est dans une famille qui est peut-être très bien, et puis on a des bonnes copines, on est bon, mais c'est pas pareil que chez nous. Le soir, quand le mari ou la famille rentre, eh bien nous, on est ici et on n'est pas. Vous n'êtes pas chez vous. Avec des animatrices. Bah bien sûr. Des animateurs. Ah oui. Ils donnent du travail quand je m'ennuie. Voilà, super. Ils donnent des choses à faire. Vous êtes un soutien à l'équipe d'animation du fait que vous êtes plus jeune. Vous venez donner un coup de main. Oui, je donne un coup de main. Parce que s'ils veulent bien. Il y a 2 ans, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques rapportait qu'un tiers des résidents en EHPAD souffraient de détresse psychologique, contre un quart des seniors, soit les personnes de plus de 75 ans, vivant à domicile. Une fois les portes de l'EHPAD de Cerny franchies, les résidents peuvent compter sur l'investissement de Claudie, leur animatrice, qui a justement sollicité Isabelle pour ses ateliers d'art-thérapie. L'animatrice est un élément fort de votre vie au quotidien. Bah oui. C'est elle qui anime. Quand elle arrive le matin, on est content. Vous êtes content quand elle est là. Et quand c'est le week-end, on est 2 jours sans la voir. T'entends ? Bravo Claudie. C'est important qu'il y ait des porteurs un peu comme ça de projet. Claudie, c'est un peu la loupe. Rayon de soleil. C'est votre rayon de soleil, Claudie. Ouais. Souvent, eh bien, effectivement, verbalement, ils vont dire « je me suis sentie bien ». On les a entendus aujourd'hui le dire clairement plusieurs fois. Ça a été douloureux pour certains. C'est dur de parler des choses difficiles, mais après, on se sent plus léger, on se sent mieux, on a passé un bon moment, on est loin de tout seul de notre chambre, on est ensemble. Et le corps est un formidable outil pour pouvoir sentir cela. Une personne qui arrive, qui est repliée sur elle-même, sur son fauteuil, qui a tendance à être un peu les bras croisés. Si pendant la séance, elle s'ouvre, elle décroise les jambes, elle se met à chanter, elle a un port de tête plus haut, elle sourit, elle s'ouvre en fait, elle s'ouvre. Naturellement, l'ouverture va faire qu'elle fait confiance et elle va libérer, elle va se mettre en posture de créativité parce qu'elle, surtout, l'aura voulu. Je pense que vous l'avez entendu comme nous, Pierrette s'est totalement lâchée à la fin de l'atelier quand Damien a joué de la variété française. C'était un petit moment destiné à prolonger le plaisir d'être ensemble autour de titres qui continuent de les faire vibrer, même aujourd'hui. On voit vraiment à quel point ces ateliers sont libérateurs et apportent du bien-être. Et ça, c'est justement ce que cherche Isabelle. Alors ça, c'est dans le cadre de ma formation d'art thérapeute. J'ai été formée à l'Artec formation à Ivry-sur-Seine. Il y a maintenant, j'ai été certifiée en 2018. En tant que chanteuse, je voyais bien avant d'être certifiée que ma voix apportait du bien-être aux gens que j'accompagnais. Donc il m'a suffi juste de me dire, voilà, tu chantes, ils te réclament, ils ont envie de t'entendre. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce soit légitime et que ça puisse vraiment servir de soin? Et la prise en charge non médicamenteuse aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui intègre
les structures socio-médicales. On a compris peut-être après Covid que l'humain a besoin d'être accompagné, mais pas forcément sédaté tout le temps. En tout cas, la présence humaine, le plaisir, le mieux-être par des vecteurs artistiques, mais pas que, ça peut être de la jardithérapie, ça peut être de l'équithérapie, voilà, tout est bon dès lors qu'on est ensemble, qu'on partage, et ce qui va être la base et les fondements d'un groupe, c'est le partage de l'émotion. Voilà, dès qu'on est dans l'affect, les barrières tombent et là, voilà, on se reconnaît en fait. Ou pas. C'est ça que ça peut être aussi douloureux, mais en tout cas, c'est l'émotionnel qui va vraiment lier le groupe. Voilà. Et c'est intéressant aussi de l'amener à toucher cette émotion ensemble. Ils vont se soutenir du coup face aux écueils que ça peut soulever. On crée des liens et puis je pense que la transmission, quel que soit nos âges, est importante. Laisser des traces, laisser des écrits par cette chanson qui pourra être sans doute offerte aux enfants, petits-enfants de ces résidents qui ont participé. Et ce n'est qu'un au revoir, puisqu'ils vont se retrouver, notez-le bien, le vendredi 29 septembre à 14h, sur la scène du festival Au Sud du Nord, qui aura lieu à l'espace culturel Georges Brassens à Hitteville. Pour sa première partie, Isabelle Latapie a invité les chanteurs amateurs de Cerny, ainsi que ceux de la résidence Amaudru de la Ferté-Alais. Si vous souhaitez les encourager, rendez-vous sur place pour acheter vos billets. Le tarif d'entrée est de 10 euros. Vous pouvez retrouver le reste de la programmation du festival sur le site internet ausuddunord.fr. C'était un podcast du Républicain de l'Essonne, produit par Mélina Fritsch et Aurélie Corvisi. En attendant le concert du 29 septembre, on vous laisse avec un des couplets de leur chanson, L'amour en famille. Entendre avoir finalisé ce projet d'écriture. Je remercie Claudie qui, lorsque je l'ai rencontrée, m'a fait confiance et m'a dit « Oh oui, ça pourrait être une belle aventure ». Et je sais que ça n'a pas été forcément facile quand on sortait de séance pour certains, ça remuait beaucoup à l'intérieur. Mais en même temps, j'ai envie de dire que lorsqu'il y a du mouvement à l'intérieur, il y a de la vie, tout n'est pas perdu. Hein? Claudie, elle a beaucoup d'idées à nous proposer et on la remercie beaucoup. Ouais. C'est tout à fait vrai. Elle est très, très gentille, cette femme-là. Claudie, on l'applaudit aussi, Claudie. Bravo, Claudie. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est la locomotive, il ne reste plus qu'à la suivre et elle vous amènera loin. Ah. On remercie Damien qui part faire son concert à Longjumeau ce soir. Merci Damien d'avoir été là, d'être adapté. Et puis. Il y va en voiture. Il part en voiture. Ah bah oui, il va manquer. Bah oui, je prends. Il fasse attention.